Bonjour à toutes, ici Sky Galaxa. J'espère que vous allez tout bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 7e épisode de Paper Mario Color Splash. Alors, on est à la crête ensoleillée. Salut Mario, tu viens voir la porte Ruby? Bien là voilà, c'est un peu de savant, non? Comme tu peux le voir, elle n'a plus de Ruby que le nom. D'ailleurs, il faudrait penser à la rebaptiser la porte terne. C'est sûr que les touristes vont pas se précipiter et puis, de toute façon, elle est fermée à accès. Oh, c'est rien de bien grave. On a déjà vu ce genre de cas, un bon coup de peinture et tout rentre dans l'ordre. Un coup de peinture, un coup de peinture? Un déluge de peinture plutôt. Mon escouade entière ne suffirait pas à la tâche. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous laisse l'escouade de sauveteurs réunie dans 5 minutes, alors je file. Ça donne l'escouade de sauveteurs, tout le monde au rapport. Vous êtes vraiment géniaux, les gars de l'escouade de sauvetage. J'adore le fait que vous coordonnez les couleurs et que dire de ces foulards. Merci, Peinturon, mais être dans l'escouade de sauvetage, c'est bien plus qu'un simple que de simplement porter un joli uniforme. Notre mission est de corriger les maux de ce monde, d'écraser les injustices qui s'y subissent. Si jamais vous désirez parler avec notre Todd en chef, vous trouverez au quartier général. Dans le quartier jaune de Parpouille. Sans nouvelle capitaine, les ordres sont de replier au QG de Parpouille en route. C'est un grand travail de peinture, on n'ira jamais tout seul. Je sais quoi, laissons tomber pour le moment, ramettons en quête d'étoiles pleines. J'arrive même plus à parler. Alors. Il y avait un mec, mais je peux pas y aller. En tout cas, on va retourner. Et... Hey Mario, tu te souviens de Todd Constructeur de pont? Je me demande s'il a déjà fini de réparer le pont du quartier bleu. C'est quoi qui... Wow, c'était pas un cauchemar, c'était vrai. Ils ont vraiment détruit notre magnifique fontaine. Mais maintenant que tu es là, Mario, tu vas rentrer dans l'ordre. Tu sauves toujours les gens. Trouve nos précieuses étoiles peintes et sauve-nous d'une existence morne éterne. Pas de pression, bien sûr. Oh, et bienvenue dans le quartier rouge en passant. Et... Quel ton quartier? Je vais le retaper. Je crois que j'ai jamais fini le jeu en plus. Arrête, laisse-moi tranquille, essaye simplement de les... Mario, qu'est-ce qui m'est arrivé? La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir été attaqué par des masques avec des pailles. Est-ce que c'est un rêve? Je crois qu'il y a un grand truc qui cloche avec ma tête. Tu peux regarder, s'il te plaît?
Attends, tout d'abord, les présentations, je suis le facteur en chef ici à Port-Papouille. Je t'invite à venir me voir dans mon noble bureau de poste dans le quartier bleu quand tu auras le temps. Je peux même y faire suivre ton courrier pendant que tu es en ville. C'est bien, non? Bon, merci de m'avoir sauvé, Mario, je retourne au travail. Allez, on met tout. C'est en ordre. C'est bon. C'est ça. Le pont est réparé. On va sauvegarder. Regarde ça, j'ai réparé le pont, il est comme neuf. Bien entendu, vous l'avez jamais vu quand il était neuf, alors vous allez devoir me croire sur parole. Allez traverser, j'adore voir les gens faire mon travail. Ah oui, c'était un bon pont. Nous étions de ce côté et maintenant nous sommes ici. Et je suis un peu perdue. Était-il vraiment bon au niveau du support? J'ai même pas de pied, tu sais. Attends une seconde, je sens de la peinture et celle qui est pas celle que nous avons en pot. C'est de la peinture étoile peinte. Ça vient d'une étoile peinte bleue, si je me trompe pas. Elle sera pas facile à atteindre par contre. Comment on est censé aller sur ce toit ou juste... T'inquiète. Allez. Oh, je suis vraiment content que le pont soit réparé. J'ose même pas imaginer la pile de courrier qui m'attend au bureau. En même temps, peut-être qu'il n'y a pas du tout vu que le pont était brisé. Dans tous les cas, tu devrais venir voir par toi-même. Je peux dire sans exagération. Ou sans être baisé, que le courrier est la chose la plus importante du monde entier. Oh, merci Mario. Tiens, laisse-moi t'offrir une tasse, c'est moins la chose que je peux faire. Tu m'as sauvé. Laisse-moi te prendre. Une paille. Je suis déjà n'aurais pas de passer à cet horrible client qui a aspiré toutes mes couleurs à l'aide d'une paille. À partir de maintenant, plus de paille pour personne. Vivez avec vos bouches comme tout le monde. Oh, est-ce que je te raconte? Je peux pas donner les pailles, sinon il n'y aurait plus de méchants qui n'ont. Peut-être que j'ai besoin de me reposer, l'industrie du café est trop intense dans la ville, il faut que je change un peu d'air. Oh fiou, ils n'ont pas bu l'encre de mon journal. Je lis la peinture parfois, il y a des gens qui disent que la presse écrite n'est plus à la mode, mais les pièces, c'est génial. Quand tu veux avoir la dernière nouvelle, il faut savoir se trouver les lieux de l'action sur l'île, viens me le demander. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis endormie. La dernière chose dont je me souviens, c'est que Todd parlait d'une chose dans son sommeil. Je m'endors rien que tu...
Ah, peut-être que c'est pas là. On dirait que le bureau de poste a été endommagé pendant l'attaque. Souvent, l'enseigne accroche. Hey Mario, tu viens juste sur le moment où tu as du courrier. Hey Mario, c'est Todoxon. Je viens juste de prendre la commande en scène de fleurs de feu. Entraîne avec moi. Je vais t'attendre dans mon dojo, le quartier jaune de Port-Papouille. Je vais vite jeter de fromage. Voici une nouvelle lettre. Je suis le propriétaire du café de la route Écarlate. J'ai plein de temps libre vu qu'il y a un gros zéro de clients comme d'habitude parce que moi c'est mon. Salut mon frère, c'est moi Luigi. Tu sais ton frère Luigi avec la casquette verte. Tu as été chez le presseur, ça vient d'ouvrir dans le 10 du quai de Port-Papouille, c'est pétrant. Mais. Excuse-moi, t'es dans ça, je. Hein? On a synchroche, mais c'est terrible, je ne peux pas laisser les gens croire que je rejoins une entreprise louche. Je vais m'y. Dis-moi. Et voilà. À quoi ça ressemble, c'est mieux? Rien que rien ne peut arrêter le courrier, ni la pluie, ni la neige, ni la grêle, ni les anciennes croches, ni Dragadon. Bon, peut-être que Dragonor y arriverait, mais l'important c'est que mon bureau est de retour sur le droit chemin. Et là, on va pouvoir. Ouais. On va remonter. Allez. Wow, on est sur le toit. Du rouge. Du rouge, du rouge. Aller chercher du rouge. Ok. Allez. Oh, ma couleur est revenue. Je dois vite me rendre là où se réunissent tous. Vous là, l'homme d'allure puissant avec un marteau. Vous avez l'air d'avoir eu quelques combats dans votre vie, ce qui veut dire que vous avez quelques cartes de combat. Pardonnez-moi l'intrusion, mais moi j'ai l'air savant. Tu as donné toutes tes cartes.
Oh oui, absolument, Esky. Monsieur, vous avez la meilleure collection de cartes de combat que j'ai eu le plaisir de toucher. Et ce ne sont pas des balivernes. Vous pensez rendre ces cartes bientôt? C'est que nous pourrions être la cible d'une attaque de mécréants à tout moment. Oh, je savais que ça arriverait. On n'a pas de carte de combat pour nous défendre. Qu'est-ce qu'on va faire, Mario? Une minute, j'ai failli oublier. Il y a une chose qu'on peut faire. Le mélange de combat. Le mélange de combat est la meilleure façon d'obtenir une carte de plus dans un moment difficile. Et tu peux t'en servir une fois par tour à condition de payer pour chaque utilisation. Et ce panneau pour commencer. Tu sais quoi, je vais te donner 10 pièces pour t'aider la prochaine fois, tu devras payer. Ok. Si tu veux, tu peux payer plus cher pour que les cartes se retournent au ralenti. Tu peux utiliser le mélange de combat une fois par round, alors pourquoi ne pas l'essayer? C'est des morts aux cartes. Je vous remercie d'avoir permis de les admirer. À présent, je vous quitte. Merci d'avoir partagé avec moi vos superbes cartes de combat. Il est bizarre, c'est Todd. Peu importe, tout est bien qui finit bien. Et apprendre le mélange de combat et obtenir une mini étoile peinte est une fin heureuse. Bon, il reste quoi? 2 minutes? Même s'il reste 2 minutes, on va s'arrêter là. Parce que mon enfant, le souterrain, c'est sûr que ça va prendre plus que 2 minutes de la faire. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez, vous abonnez. Et puis on se retrouve très prochainement pour la suite de Paper Mario Color Splash. Je vous dis à très vite. Des bisous.